championnat, donc forcément on a des difficultés. En tous les cas, on a vu que quand vous aviez commencé à sortir et à jouer, et surtout dans le dos un petit peu des latéraux, ça leur a posé un peu plus de soucis. Ah mais bon, maintenant que tu l'as dit, c'est fini, on pourra plus faire, voilà, c'est fait. Mais bon, non, bah, écoute, on verra. Hein. J'espère qu'après le match, on va pouvoir avoir la banane sur le visage. Voilà. Alors nous voilà en partance pour Lille. Alors compte tenu du classement de ces deux équipes, la nôtre et celle de Lille, naturellement, ce ne sera pas là-bas pour légitimer une ambition, mais pour la consolider. Alors à Lille, dans l'histoire, Montpellier y a déjà gagné. Et je me fais une joie de pouvoir parler, de pouvoir me souvenir d'un de ces instants divins avec mon voisin. Alors, tout le monde connaît bien entendu Geoffrey Dernis. Bonjour Geoffrey. Bonjour à tous, comment allez-vous? Eh bien écoutez, comme un charme. Alors, vous avez vécu, vous, une belle victoire de Montpellier, c'était l'année du titre. Tout à fait. C'était la deuxième journée de championnat, est-ce que vous imaginiez déjà ce qui allait se produire derrière? Évidemment pas. Non, absolument pas, puisqu'à ce moment-là, Lille était le grand favori, encore une fois, pour être champion. Ils avaient encore cette équipe vraiment monstrueuse sur le plan offensif, et même complètement, hein, défensivement au milieu de terrain. Nous, on avait juste l'idée là-bas de conforter notre première victoire contre Auxerre à domicile à l'époque. Et puis en fait, on a fait quasiment le match parfait parce qu'on a été quand même pas mal dominé dans un premier temps. Et... Un des plus grands hold-up de l'histoire quand même. Ouais, on avait oublié les cagoules, donc on a dû le faire à visage découvert malheureusement. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on a eu un Laurent Pionnier qui avait été juste monstrueux sur ce match-là. Mais globalement, ouais, on avait vraiment fait le petit top 2 parfait qui nous a lancé cette magnifique saison. Alors sans plus savoir ce qui allait se passer bien entendu ensuite, ça on l'a bien compris. Maintenant symboliquement, vous gagnez chez le champion sortant, ce qui n'est pas rien. Ah ben à ce moment-là, c'est pour nous presque révélateur de ce qu'on est capable de faire sur cette saison-là. Parce qu'on n'a pas eu énormément d'occasions là-bas, on a été très efficaces. Mais encore une fois, ouais, ça nous a donné entre guillemets l'espoir de faire une grosse saison si on continuait à être costaud comme ça. Quoi. Alors 7 ans plus tard, bien entendu, la donne n'est pas tout à fait la même, hein, les acteurs encore moins. Mais si on pouvait comparer un peu, voilà deux équipes qui sont bien classées, on l'aurait pas parié les yeux fermés en début de saison là. Non du tout, parce que Lille sortait d'une saison plus que compliquée, hein, puisqu'ils se sont sauvés vraiment in extremis l'année dernière. Mais là, cette année, c'est surtout offensivement qu'ils sont impressionnants. Donc en fait, ils ont un PP qui est juste monumental. Ils ont les deux autres aussi, Yassamba et j'ai oublié le troisième. Eh ben oui. Oui. Non mais c'est... Bon, on va trouver. Tu avais les papiers. J'avais préparé mon texte et puis je l'ai plus. PP Samba. Bon, enfin voilà, bon, et Moussa Sow. Voilà, c'est ça. Ça remonte à loin, ça, Moussa Sow. Et non, ils ont réussi. Enfin, Galtier a réussi à vraiment faire un gros groupe au même titre que Michel Derzakarian, parce qu'aujourd'hui Montpellier n'a rien à envier à Lille. Il a trouvé une belle ossature. C'est une équipe qui joue très bien, qui se projette vraiment bien. Les deux devant de leur Laborde font le travail. Derrière, c'est très costaud. Et en fait, ça va être paradoxal parce qu'en fait, on a Lille qui a un très très gros potentiel offensif et Montpellier qui reste très costaud défensivement. Donc voilà, sur ce match-là, c'est difficile à se prononcer en fait. Des virages, il y en a dans une saison. C'en est un là. Ouais. Ah, mais c'est complètement un virage, que ce soit pour Lille ou Montpellier. Montpellier, ça va leur donner entre guillemets l'espoir de d'accrocher peut-être une place pour la Ligue Europa, et pour Lille, tout simplement de garder cette seconde place pour viser la Ligue des Champions. Ouais. Donc il y a vraiment un gros enjeu sur ce match-là. Je reviens 30 secondes sur cette victoire que vous étiez titulaire ce jour-là à Lille. Eh oui. On m'avait mis sur le terrain. Ça peut arriver. Vous l'avez. Non, mais il l'a été 13 fois. J'ai bien appris ma leçon, hein, parce que j'ai potassé toute la nuit. Donc, je suis incollable là-dessus. Ouais, bon, vous gagnez donc, après avoir été copieusement dominé à Lille l'année du titre. Bon, là, forcément, ça cause dans le vestiaire à la sortie. On se dit, bon, mais c'est peut-être pas annonciateur de ce qui va se passer, d'accord. Mais quand même, quoi, il y a quelque chose. C'était trop tôt pour se projeter, c'était que la deuxième journée. Mais quand tu bats, entre guillemets, le champion sortant, notamment à Lille, avec l'effectif qu'ils avaient, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu te dis, finalement, en fait, on peut faire quelque chose de bien cette saison. Donc effectivement, après le match, on n'a pas eu d'euphorie. On sait très bien aussi qu'on a quand même bien galéré pour gagner ce match, on a beaucoup souffert. Mais ça pouvait nous donner, entre guillemets, une grosse confiance pour le reste de la saison, carrément. De mémoire, comment dissocier ce match aller dont on vient de parler du match retour, qui lui est encore plus magique parce que c'était un stade plein,
ce qui est quand même assez rare à la Mousson, il faut quand même le signaler, avec un enjeu plus que grand, parce qu'à ce moment-là, on est toujours leader. On sait que si on gagne ce match-là, on est voilà, en Ligue des Champions, quoi qu'il arrive. Et puis qu'on a aussi ces fameux 2 points d'avance sur Paris qui nous permet, entre guillemets, de gérer cette dernière journée. Mais c'est le dénouement qui est énorme, parce que du coup, personne ne nous attendait si haut. Ça faisait plusieurs mois que les équipes ou même les journalistes disaient que Montpellier, à un moment donné, ils vont s'effondrer. Finalement, non. Puis finalement, on a eu aussi cette cote de popularité en se disant que ce serait bien que Montpellier reste devant Paris, parce que il y a ce petit truc de Qatari qui était en train de se mettre en place. Donc on avait quand même beaucoup de messages de soutien pour le titre. Et ce match de Lille, ce dénouement, que quoi te dire, à part qu'aujourd'hui j'en ai encore des frissons quand je t'en parle. J'allais dire, Geoffrey Derny, ça a roulé sa bosse vraiment très longtemps. Ça reste le meilleur souvenir de ta carrière. Il y en a eu plein des souvenirs, mais celui-là, il reste quand même monumental. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois encore les images, quand tu ressens aujourd'hui l'engouement qu'il y a eu auprès des gens, ce stade qui a explosé à la dernière seconde. Et je vais même te dire mieux, je vais prendre 2 secondes. Nous, on ne s'est pas rendu compte vraiment, hormis au niveau du stade. Mais quand on a revu, entre guillemets, parfois les images de ce qui se passait à la Comédie, de ce qui se passait un petit peu sur Montpellier, parce que nous, on ne s'en rend pas compte, on est un peu dans notre bulle. Mmh. Et c'est encore plus magique finalement, parce qu'en fait c'est toute une ville qui était là en fait, qui est restée avec nous, derrière nous, avec le grand écran sur la Comédie, encore plus après le match d'Auxerre, mais ce match-là restera, aux yeux des Montpellierains, il y a eu des gens limite qui nous remerciaient, tu te rends compte ? Je veux dire, on fait juste un métier ou des gens qui nous disaient merci quoi, donc c'est fabuleux. Avant de se quitter, Geoffrey, c'est tout malheur qu'on va souhaiter bien sûr à la génération d'aujourd'hui que de connaître des émotions comme celles que vous avez, que tu as vécues toi cette année-là. Ça commence à Lille. Est-ce que, honnêtement, tu penses que Montpellier peut y faire quelque chose ce dimanche ? C'est très partagé. Montpellier est capable d'aller s'imposer là-bas, ou même de prendre un point, ce qui ne serait pas forcément un mauvais résultat là-bas. Mais les deux équipes sont très costauds cette année. C'est vraiment deux belles équipes. Moi, un match nul m'arrangerait. Je t'avouerai que comme ça, je n'ai pas besoin de prendre parti. Mais effectivement, Montpellier est capable. Montpellier est capable. Aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les grosses équipes de tête. Merci beaucoup Geoffrey Derny. Tu peux boire maintenant ton café froid et répondre au téléphone qui n'a pas cessé de vibrer. Au revoir.